Les nuits sont de plus en plus fraîches, mais des personnes de notre région doivent toujours dormir à l'extérieur, faute d'endroits où loger. Et au lac Saint-Jean, ces personnes n'ont pas beaucoup de choix parce que la seule maison pour sans-abri est située à Chicoutimi. Mais bonne nouvelle, ce soir, deux nouveaux refuges verront bientôt jour au lac Saint-Jean. Catherine, il s'agit d'un investissement majeur qui vient d'être annoncé. Oui, tout à fait. En fait, le gouvernement du Québec, Sonia, octroie une subvention supplémentaire d'environ 1 million de dollars pour mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance. Ça fait suite à la promesse récente du ministre Carman d'investir davantage pour pouvoir offrir plus d'hébergements, mais également augmenter les services offerts aux personnes plus vulnérables. Eh bien, cette somme, elle sera répartie presque à part égale à Alma et Robertval, où il y aura deux refuges qui verront le jour prochainement, là, idéalement d'ici le mois de novembre. On parle de 9 lits pour Robertval, 7 à Alma. Ce seront des refuges où les personnes en situation d'itinérance pourront dormir la nuit, mais également y être le jour. Et chacun des refuges pourra compter sur la présence d'un intervenant, également d'un agent de sécurité. L'objectif est que ces services soient pérennes, donc qu'ils puissent être offerts en tout temps, pas seulement l'hiver. Il y avait aussi urgence d'agir, Sonia, parce que en un an seulement, le nombre de personnes en situation d'itinérance visible au lac Saint-Jean a doublé. Ça fait un an que les acteurs du milieu travaillent à ce que ce projet puisse voir le jour et c'est une première qu'une telle somme soit octroyée pour pouvoir aider principalement les personnes en situation d'itinérance. Je n'ai jamais, jamais vu une concertation municipalité, CIUS et organisme communautaire aussi forte, aussi engagée là, dans une cause. Il n'y en a pas un qui a dit non. Tout le monde a collaboré à sa façon et ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est comme de dire au reste de mes collègues du Québec, voyez ce qui se passe là, bien, commencez, faites la même chose, s'il vous plaît, faites-le rapidement parce que ces gens-là ont besoin de nous et ces gens-là ont besoin de services. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça à la rue, c'est impossible pour moi. Et vous avez parlé, Catherine, à des personnes en situation d'itinérance qui comptent bien profiter de ces nouveaux services au lac Saint-Jean. Oui, ils sont encore nombreux, Sonia, à Robertval, à dormir dans des tentes à cette période-ci de l'année. Ils ont très hâte d'avoir un endroit où pouvoir se réchauffer, avoir les ressources appropriées pour les aider à s'en sortir. Est-ce que ça vous rassure de savoir qu'il y a des actions qui vont être prises? Ben ouais. Ben oui, ça nous rassure, puis c'est le fun. Allez-vous les utiliser? Ben ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais? Parce que je voulais dans mon slip, puis là, tu commences à sentir le slip mouillé un peu, c'est tannant un peu. Je peux pas rester dans le néant de même tout le temps. D'avoir une maison avec des ressources à Robertval, pensez-vous que ça va aider? J'espère que ça va aider. J'espère qu'ils vont faire ça vite. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter de plus? Qu'est-ce que ça va changer? Bien, peut-être un sourire dans le visage des gens. Alors, une subvention qui est offerte pour un an. Les discussions vont bon train afin que ce montant soit récurrent. Et ben, reste à confirmer aussi l'endroit de ces deux refuges. Là, on devrait en savoir plus au cours des prochaines semaines. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ces personnes du lac Saint-Jean. Merci beaucoup, Catherine. Absolument. Au revoir.